Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la Vallée-Bras-du-Nord, secteur Shanahan, et on s'en fait un concept de trois pistes qui s'appelle les Nelson. Donc, la Nelson Est pour commencer, on va faire la Nelson Nord et la Nelson Sud pour un total de, je crois, 32 km. Alors, c'est ça, ça a été voté certaines des plus belles pistes au Canada. Encore une fois, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up, à vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification pour savoir quand je sors des vidéos. On s'en va essayer ça. Alors, juste ici, le connecteur qui va tranquillement pas vite nous amener vers la Nelson Est. Attention, les gens qui sont grands ici. Venir chercher du sirop d'érable, oh wow! Peut-être pas à ce temps-ci de l'année, là, mais... Oh! On peut continuer par le chemin forestier. Damn, le gars est plus brillant que moi. Wow! J'ai quoi comme avantage à rouler ici, à part que c'est plus dur? Tu sais que ça commence? À gauche, par là-bas. Je crois que c'est là-bas. Ok. Tu peux payer un droit d'entrée pour faire du shuttle. Genre, quelqu'un va te monter. En pick-up. Tu payes une espèce de prix d'entrée, comme 5-10$. Faut te rendre en haut. Je suis à la bonne place. Aujourd'hui, à Riding Blind avec JP, comment se perdre dans un chemin forestier? Bon. Fait qu'il se trouve que j'avais finalement raison. La Nelson Est, c'est le chemin forestier que j'avais commencé à monter. Que j'ai pas vu d'indication, pantoute, puis je me suis dit, ça ne peut pas être ça. La Nelson Est est supposée être une des plus belles pistes au Canada. Puis c'est juste un chemin forestier, fait que j'ai reviré de bord. Et il se trouve que j'avais bien raison. Ça fait que je revire pas de bord. Et je ne recommence pas à monter ça. Ça sera une autre fois. Fait que là, si je comprends bien, je vais faire la Nelson Nord, puis je reviens par la Nelson Sud. Ah, c'est dole, ça! Hein? J'ai pas dû m'écouter. Hop! Yes! Bah! Alors! La Nelson Nord, Vallée-Bras-du-Nord, secteur Shanahan. On va découvrir ça ensemble, mes amis. Alors, on vient de quitter les chemins forestiers qui nous montent jusqu'ici. Et j'ai discuté de mon erreur avec mes collègues de montée. Groupe de personnes dans la cinquantaine qui montent en même temps que moi. Et ils me confirment que lorsque tu as manqué ton entrée de la Nelson Est, tu ne peux pas revenir en arrière. Alors, mon titre et mon intro des trois Nelson est trompeur, désolé. Je m'en allais réellement faire les trois. Mais, petite erreur de ma part. Je préfère un top 5 des meilleures montées, ça pourrait être pas pire. Aujourd'hui, à Cross Country Québec, quels sont les meilleurs pneus de montée? Quelle cuisseur de vue utilisez-vous pour monter le plus efficacement possible? Quelles sont vos marques de bâton favorites? We'll lay down the bridge. Wow. Warp. Et on arrive dans un chemin forestier. Oui, qu'est-ce que t'en dis? 31 minutes. Blablabla, 10 km, wouh, 10 km à pied, ça monte, ça monte. Ah.
Bon, un petit peu de descente, ça fait du bien. Chemin forestier. Écoute, à un moment donné, ça va arrêter de monter. Ça de même, là. Oh my God. On n'est pas encore rendu au sommet, mais on commence à avoir des foutus beaux paysages, guys. OK, pourquoi? Ah, pour voir la vue. Pourquoi il y a une chaise géante? OK. Va falloir que je pose la question. Je suis curieux, là. What the... Wow. Oh. Ouh. Ça commence à ressembler à des descentes de vélo, ça. Je sais pas que ça l'est, là. Mais je pense que ça commence à descendre un peu, guys. Ah, wow! Et je viens de croiser un être humain pour la première fois depuis un gros 45 minutes. Ouh, allô! J'étais pas prêt à lui, mais bon. Wow! Oh my God! Wow! Wow! Point d'exclamation, on swatch. Chose qui me stresse avec le reckoning. Wow. Ça fait qu'à date, ayant aucune idée de qu'est-ce qui m'attendait dans la Nelson en dehors de quelques photos que j'avais vues, je suis agréablement surpris. J'entends du monde crier là-bas. J'espère que c'était beau. Yes. Yeah. Oh wow. It's not even a nice view. Yeah, not that bad. Where are you guys from? Just from like north of Toronto, like good. You made the trip just for that? Pardon me? You made the trip just for that? Just for this view. I'm getting helicoptered out of here right now. How's your trip so far? It's been great, man. Yep. And Aaron lives in Ottawa, yes. So we come up to Quebec often to ride, but just I've never done this trail, so
making a point of it this time. Yeah, first time as well for me. Yeah, beautiful, eh? Yep. Bien, on est reparti. On va avoir un petit chat avec un gars de Toronto et un gars d'Ottawa. Hi guys, if you're watching. Wow. Alors, toujours dans la Nelson Nord. Des paysages à couper le souffle. Non. Wow. Oh my God. Voir que je suis venu ici. Jamais le pied d'une racine. Je vais refaire cette section-là, excusez. Petite section technique. Ah, good. Wow. Je vais faire un wow meter. Je vais compter le nombre de wow que je dis dans une seule vidéo. Ah, oh, wow! Oh my God! Oh, wow! Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais je m'en fous. Aïe aïe. Ah, oh, c'est incroyable. Incroyable. Wow, il faudrait qu'il y ait une trail qui monte jusque là-bas. C'est la plus belle trail que j'ai faite de ma vie. Aïe aïe. Là, j'enlève rien à toutes les trails magnifiques que j'ai dit. Que c'était ma préférée à vie. Des trails comme la Wolverine, tu peux pas rien enlever à ça. C'est un des challenges ultimes au Québec. Mais en termes de beauté. En termes de beauté du paysage. Wow! Avec l'utilisation de la rivière, c'est incroyable. Ça fait que là, je sais qu'il manque une étape dans mon vidéo, la Nelson Est, mais c'est pas la volonté qui manquait. C'était pas la force d'impact qui manquait. C'était la version payante de Drill Fork. Wow! Oh my God! Oh, c'est incroyable! Je ne sais pas mon wow meter, il est rendu à combien. C'est drôle comment que la trail de bike suit un petit peu le feeling de la rivière, c'est con. Mais où est-ce que la rivière est très active avec des chutes?
On roule sur les roches. Puis c'est hardcore. Puis là, c'est rendu tranquille, tranquille. Puis la trail est en terre, super tranquille. J'entends des marcheurs à l'autre bord. Ah, oh, mais j'aime la bague de tantôt. Fait que là, je dis ça de même, là, mais le monde en e-bike en arrière, plus rapide que vous autres. Oh, North Shore Bridge. En montant. Hey, le challenge, toi. Moi, j'étais un gars de par en bas, là, mes North Shore. Ça de même. C'est une piste assez technique. Assez technique, il y a des bonnes montées de roches techniques. Quelques obstacles de roches assez techniques aussi. Wow! C'est incroyable. Oh my God. Et que ma blonde serait pas fière. Oh, wow! Mettre mon casse. Aïe. Ah,
Franchement, je suis pour retourner là. Wow. I'm going up for it! Le pire, il y aurait moyen de se faire une line là, là. Mais non. C'est ma blonde à l'écoute. Allô, Amélie! Ah! On est reparti. Le pire là, je connais la renommée de la Nelson, mais ouais, c'est ça, je connais la renommée de la Nelson. Je pensais venir faire une piste de bord tendre easy. Honnêtement, la piste est un bon challenge technique. C'est une noire. Je pense que la classification noire est très appropriée. God, wow. Excusez. Tu peux pas monter ça. Ah, il y a des traces de vélo, il y a du monde qui le font. Man. Chicken line pour monter. Ah, là, le JP, t'es capable de faire ça, c'est pas vrai, là. Ouais. Hop. Ah, allez monter. Aïe, aïe. C'est fou! Je commence à aimer les montées. Oh my God! Comme on dirait en anglais, it's a journey. C'est pas une piste, c'est une aventure. Oh là, le petit skinny, ça va faire. Là. Je sais pas trop où est-ce que j'en suis dans mon aventure. Ça a l'air d'être une ancienne trail. Ou une nouvelle, je sais pas. Je crois que j'approche d'un chemin forestier. Oh, ça descend, cool. Où tu fais plus de downhill? Hop! Ah, wow! That was unexpected! Ha! Je fais tellement pas pour faire des sauts! Yeah. Et voilà, c'était la Nelson Nord. Wouh! Fait que c'est ça. J'ai fait ça, mais ça fait c'est pas ça. J'ai redescendu. Fait c'était ça. Je remonte pas. Puis je vais faire ça. La Nelson Nord,
ça ici, ça ici. Là, on redescend par la sud. Savez-vous quoi? Je pense que c'est pas si pire de faire la L, aller faire la Mad Max, la Est. OK, la Est, à pop genre là. Excusez. Voyons, je peux aller toucher mes pédales. Fait que ça, c'est la fin de la Est. OK, checkez bien ça. Magie d'Internet. Pa, 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 pa.